Ben quoi? Salut les Daniel et Bouquetins, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez choisi de parcourir un petit peu de sentiers dans le massif des Vosges et bah, excellent choix, je ne peux que vous féliciter de l'avoir fait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est parti d'un village qui est vraiment au cœur du massif des Vosges, le village de La Compote. Et depuis La Compote, il y a quoi? Il y a 5,5 km. Et 700, un petit peu plus de 700 mètres de D+. Et je fais cette vidéo juste au-dessus des chalets de la Fulie, au milieu de l'alpage de la Fulie. Je profite de cette ouverture-là pour faire la vidéo pour qu'il y ait un peu de paysage derrière, parce que depuis le début, on est dans de la forêt. Alors c'est vraiment très sympa. On remonte sur le GR de pays du massif des Vosges. On remonte sur une arête calcaire, bien sûr, au milieu des hêtres et des épicéas. Et comme le sol est pas profond et très caillouteux, les hêtres sont tortueux. C'est assez, je trouve, ça fait très forêt avec des esprits, des choses comme ça. Et nous, premier objectif, là-haut, le mont Colombier. À 2045 mètres. Ah, c'est joli la Fulie, avec le massif des Vosges derrière. Et l'occasion de vous présenter le second objectif de la journée, eh ben, qu'on voit pas. Bravo, bien joué, super organisation, qui est juste là. Tant pis, c'est le Trello, 2181 mètres d'altitude. Une rando en forme de 8, puisque donc on part de La Compote, on fait une boucle qui monte au Colombier, qui redescend à La Compote. Et à La Compote, du coup, on fait une seconde boucle qui va monter au Trello et puis qui va redescendre à La Compote. Donc il y a un beau programme aujourd'hui dans un massif calcaire, ça va être joli. Il commence à y avoir aussi des fleurs d'automne, là il y a quelques colchiques qui commencent à sortir. C'est vraiment joli, il y a des champignons, là il y a une coulmelle par exemple. Deux coulmelles. Bon, c'est pas le jour pour faire la cueillette. Voilà, donc premier objectif de la journée, le mont Colombier. Bon, on va continuer tout droit là. On voit pas trop. Par ici, il y a le col de la Cochette. Donc le chemin va monter là-bas. Et puis ensuite, on va prendre toute une arête, tac tac tac, un chemin en crête, et ben, qui va nous mener du coup au sommet. Puis au sommet, on fera aussi une contrepointe qui est de l'autre côté. Et vous allez voir, ça fait un genre de rigole. Alors une rigole géante, hein, c'est plus une cuvette. Et c'est vraiment un alpage très paisible.
Ah, ça fait du bien ce pénombre. Je vais vous dire la même chose que hier et qu'avant-hier et qu'avant-avant-hier. Il fait chaud, il fait chaud. Il est 10h, pourtant je suis quand même pas parti trop tard non plus. On est quasiment à 1500 mètres d'altitude. Et je suis à l'ombre et je suis content d'y être, quoi. Donc la crête en plein soleil qui monte au Colombier là-haut, ça va être source de transpiration. Bon, et ben, je vous retrouve plus haut. Ouais. Si tu penses qu'on va te confondre avec les vaches, c'est foutu, mon pote. Et voilà, le Mont Colombier, premier sommet de la journée. Alors, je ne suis pas exactement au Colombier, puisque vous le voyez derrière, la croix sommitale est un peu plus loin. Mais il y a à nouveau une bonne dizaine de personnes, donc je me suis mis un peu à l'écart. Mont Colombier qui est vraiment le centre du massif des Bauges. C'est vraiment en plein milieu. Alors par où on va commencer? Par en face, là. Ah oui, bah tiens, nous, la contrepointe qu'on va faire, la pointe de Rossana, elle est là. Et en bas ici, on a le col de Rossana. Juste derrière, on a le... Mince, j'ai mangé le nom. Le Semnose. Et puis, ah, est-ce qu'on le voit? On a le lac d'Annecy, au milieu ici. Alors à nouveau, je passe un petit peu tous les petits sommets. En face, là, en plein milieu, est notre prochaine destination, le Trello. Donc on va redescendre à la compote qui est juste en bas, remonter et puis aller faire le sommet. On continue avec à sa droite l'Arcalo et puis tout au fond, on voit le Mont Blanc qui dépasse. Alors tout le massif est dans les nuages, sauf la pointe. Si on tourne encore un peu, on a la pointe de Sambuy qui dépasse un tout petit peu. Je pense que je mettrai des flèches au montage. Ainsi que poum, 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 la pointe de Chorionde. Bon, pareil, là, je passe un petit peu. De ce côté-là, on a le Péclo, l'Arména et la Dent d'Arcluse. Et derrière la Dent d'Arcluse, qui est en crête bleutée, on a tout le massif de la Lozière. Et encore plus loin, mais là, bon courage, on a la Vanoise. On va voir ça un petit peu. Ouais.
quelques sommets enneigés, mais là le soleil n'est pas du bon côté pour qu'on les voit bien. Bon alors du coup, une montée qui est chouette, hein, on a des super vues. La dernière arête, entre le col de la Cochette et le sommet, en plein soleil, là, ça a fait un peu mal. Après, c'est sympa parce qu'en 20 minutes, ça a fait 350 mètres de dénivelé, donc après, c'est super efficace. Voilà, bon, rendez-vous dans un lieu un petit peu moins touristique, la pointe de Rossana. Nous voici au col de Rossana, juste au-dessus des chalets de Rossane, où on peut acheter quelques petites douceurs. Et nous, on va donc à la dent de Rossana, où il y a du coup la croix de Rossana. Et les douceurs locales sont produites par ces chères et tendres jolies vaches. Elles sont belles. Regardez ça. Toutes tranquilles. Coucou les filles. Ça va la vie. C'est beau les vaches. Avec leurs oreilles toutes poilues. Bref, du coup, oui, ce que je trouve vraiment chouette quand on fait le Mont Colombier, c'est toute cette zone-là, une espèce de combe d'altitude qui est délimitée à droite eh bien, par le Mont Colombier et à gauche par la dent de Rossana. Et ça fait un endroit, un lieu à, je sais pas, 1800, 1900 mètres d'altitude, espèce de lieu un peu suspendu dans tous les sens du terme, où il règne en général du calme avec un saupoudrage de sons de cloche. Et c'est aussi très très beau en hiver, où on arrive en raquette ou en ski de rando dans ce bassin qui est blanc. Et on a l'impression d'être au fond d'une marmite de coton. Sommet de la dent de Rossana avec sa table d'orientation, son calme et ses paysages complètement fous. Donc on ne peut pas faire plus beau jus que cette balade. Ah, super paysage. Ouais, toujours bien le lac d'Annecy. La croix, qui n'est pas exactement au sommet. Les montagnes assez classiques des Bauges. Et puis quand même hein, le Mont Colombier qui a une certaine classe. Donc nous, on est redescendu par l'arête ici. Et donc la fameuse cuvette paradisiaque dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-là. Tout au fond là-bas, on voit la Chartreuse. Et puis ici, c'est le Margeria avec sa station de ski. Et juste derrière, le Margeria, on le voit un petit peu ici, on a la station de la Fécla, connue plutôt pour son ski de fond, parce qu'il y a un domaine de 120 km de piste. Mais il y a aussi quand même quelques pistes de ski de piste. Et puis tout au fond, le Bugey, le Jura. Ouais. Vraiment, vraiment magnifique. Bon, les chemins sont bien indiqués, c'est agréable. Bon, après, il y a des endroits où, de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. C'est difficile de quitter la seule et unique trace. Il y a un balisage qui est un peu faiblard, qui mériterait d'être rafraîchi, en losange jaune ou vert clair, je ne sais pas trop, qui permet d'aller du col de Rossana jusqu'à la dent. De l'autre côté, il n'y a pas de souci parce que ça relève du GRP. Donc le balisage est bien entretenu, les pylônes et les plaquettes sont bien entretenus aussi. Il y a juste 2-3 endroits où bon, le balisage tire un peu la langue. Mais en même temps, il n'y a qu'un seul chemin. Donc ouais, c'est des endroits où on pourrait presque se passer de balisage. Bon, et prochaine mission, redescendre à la compote, remplir les gourdes parce qu'il fait soif. Et partir pour notre prochaine destination, lui, ici.
Bon, on en est où? J'ai totalement perdu le fil. On s'est vu la dernière fois à la dent de Rossana. Bon, il s'est passé plein de trucs, et en particulier c'est un peu la merde. Mais bon, commençons par les choses positives. La descente, top. Au début, dans un milieu ouvert, du coup c'est chouette pour les paysages. Après, idéal pour la chaleur. On descend une crête alors qui est un peu abrupte, bon, mais on prend son temps. Une crête versant nord, ombragée parce qu'en forêt, donc ça c'est vraiment top. Et voilà, là je passe une séquence, j'y reviendrai dans pas très longtemps. Et du coup, bah, retour à la compote. Alors ce tour-là fait 20 km et 1600 mètres de D+. En soi, ça fait une balade, une super balade. Moi j'ai mis un peu plus de 4h45 et voilà, c'est vraiment chouette. Il y a de tout, il y a de la forêt, il y a des crêtes, il y a des alpages. Bon là du coup moi je suis reparti pour la seconde boucle de la rando, monter au Trello. Et alors du coup la partie un peu plus caca, c'est que sur la, je dirais même le dernier dixième de la descente, il restait quasiment rien. À un moment, en fait, on raccroche une piste forestière. Le chemin raccroche une piste forestière. Et déjà là, j'ai loupé la bifurcation de la piste forestière vers une autre piste forestière. Parce qu'il y avait un skidder garé. Bon, très bien. En fait, ce qui a été plus problématique, c'est qu'un peu plus bas, il y a une coupe. Et donc le chemin impossible à trouver, parce que bah, du coup il y avait eu des passages d'engins, il y a des arbres abattus, il y a des branches par terre, enfin bref voilà, toutes les conséquences classiques et normales d'une coupe de bois. Et là du coup je me suis un peu perdu, enfin pas perdu, mais j'ai pris du retard parce que c'est pénible, c'est pas facile de progresser dans ces conditions là. J'ai hésité un moment à faire demi-tour et puis à prendre un autre sentier balisé qui fait un détour de quasiment 3 km. Puis il y avait pas mal de routes pour revenir à la compote, du coup ça me plaisait pas trop. Coucou les meumeux, la vie est belle. Et bon, au final j'ai quand même réussi à raccrocher un sentier qui m'a ramené dans une autre zone où il y avait aussi une exploitation forestière. J'ai traversé tant bien que mal et j'avais un pré en tête. Je le voyais au travers de certains bouts de forêt qui étaient un peu plus clairs parce qu'il y avait eu des coupes de bois. Finalement, j'ai réussi à retomber dessus. Mais le bilan, c'est que j'ai quasiment une heure de retard sur le programme. Je voulais arriver à 13h15 à la compote et puis faire une bonne pause d'une quinzaine de minutes. Donc repartir à 13h30, puis ben finalement là il est 13h35 et je viens juste de repartir, 14h35 et je viens juste de repartir. Donc oui, c'est ça, une heure de retard avec une pause qui a été express pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Bon, je dis que c'est le caca, ça va hein, en fait c'est pas non plus catastrophique. Une heure de retard, ça veut dire que je serai de retour à la voiture plutôt vers 19h30 et ça laisse 40 minutes de marche par rapport au coucher du soleil et encore bah, du coup une cinquantaine de minutes de marche par rapport à la nuit forte, on va dire. Et bon, puis en plus les derniers kilomètres je connais le chemin, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, faut quand même pas trop traîner, surtout que là on est reparti pour 1003 de D+, un truc comme ça. On va quasiment à 2200. Et là, on est à 1004 même. En plein cagnard en plus. En tout cas, versant sud-ouest, dans l'après-midi. Regardez, on va là-haut. Par contre, ça vaut le coup là-haut. C'est pas de la vue au rabais. En fait, ça va. Puis si la fin se fait un petit peu dans la pénombre, c'est pas bien grave.
Bon, prochaine petite bourgade qu'on traverse, Doucy dessous. Et à partir de là, le sentier va sacrément monter. Un bon gros raidard. Et on va prendre quelques centaines de mètres de déplus en relativement peu de temps. Et donc du coup gagner en belle vue. Thank you.
Le sommet du Trello à 2180 mètres d'altitude. Qu'est-ce que c'est beau cette montée. À chaque fois que je la fais, je suis sous le charme. Que ce soit les phases avec des rochers ou les phases quand on remonte des grandes pelouses. Bon, le Trello, c'est ma montagne préférée des Vosges. Mais aussi parce que tout ce qu'on voit autour, c'est fou. C'est magnifique. On est... Donc là, il y a le Colombier où on était tout à l'heure. Et on est toujours à peu près au milieu des Vosges. Donc, on a un 360 formidable. Là, c'est la partie nord des Vosges avec le Semnoz. Le lac d'Annecy, il est caché. Là, en face, on a le massif des Bords, avec en plein milieu la Tournette. Ensuite, si on continue, on a les Aravis, on voit bien le Mont Charvin, même si c'est un peu l'été aujourd'hui. Un peu plus proche, dans les Vosges, on a la Dent de Conce, en plein milieu. Et puis après, qui sort comme une flèche, le Sambuis, juste à côté, et ben ça doit être Chaurionde. En face, notre ami l'Arcalo, qu'on a vu pendant toute la montée. Et d'ailleurs, là, il y a un truc, il y a un triplé sympa à faire dans les Vosges. C'est ben, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc Colombier, Trello, et ensuite de se rajouter l'Arcalo. Alors par contre, ça fait une sortie à 65-70 km et je dirais facilement 4500-5000 de D+, quoi. Et puis de l'autre côté, ah, c'est vraiment laiteux aujourd'hui par contre. C'est vraiment laiteux. Ben, au premier plan, un peu plus foncé, on a le Mont Colombier. Et puis tout au fond, un peu dans la brume, on verra. On verra si ça se voit, il y a la Chartreuse. Hey, regardez-moi tout cet espace. Ah non, c'est génial. Alors cette montée-là, elle est un peu technique. Pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a des passages où il faut mettre les mains. Et d'autre part, parce qu'il y a des passages vraiment très pentus. Classiquement, le Trello ne se monte pas par là. Il se monte par le chemin qu'on va emprunter pour la descente, qui est en fait là pour le coup un chemin vraiment large, bien entretenu et balisé, puisqu'il s'agit du GRP du massif des Vosges. Par contre, on peut faire le Trello en boucle, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait actuellement, en montant par le chemin qu'on a pris depuis d'ici-dessous. Alors c'est sûr que c'est toujours plus sympa de faire des boucles, par contre la montée est compliquée et je vous conseille de faire la boucle dans ce sens si vous le faites pour avoir la partie difficile à la montée, la partie facile à la descente. Donc globalement cette montée elle se découpe en quatre parties. Il y a une première partie où on remonte dans des espèces de fourrés, une pente alors directe. Alors c'est sûr que c'est pentu, du coup c'est un peu fatigant. Surtout à cette heure-ci de la journée, il fait vraiment chaud. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à réfléchir. Le chemin suit un espèce de fossé. Et puis, on monte 300 mètres de dénivelé en 480, on va dire 500 mètres de distance. Donc, c'est très, très efficace au niveau du D+. Ensuite, on arrive à un pas, une première barre rocheuse, qui aujourd'hui s'est franchie vraiment sans aucun problème. Le souci de ce pas-là, c'est pas le fait que ce soit vertigineux ou pentu. Bon, c'est un pas, donc le chemin est pas très large, mais franchement, ça passe très bien. Il n'y a rien de dangereux au niveau de la topographie. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une cascade. Alors aujourd'hui, la cascade était réduite à peau de chagrin, ce qui fait qu'il n'y a eu aucun souci. Par contre, en temps normal, la cascade coule plus, les rochers sont polis et donc c'est glissant. Après ça, on remonte une longue pelouse, la pelouse du Pleuvent. Et c'est beau, cette longue pelouse qu'on remonte. Là, de temps en temps, on est sur la pelouse, de temps en temps, on est sur l'arête. C'est très agréable, on a vraiment une super vue. Et puis en cette saison, la pelouse est dorée un petit peu. On commence à voir les couleurs d'automne. Donc, ça rajoute une couche au sublime. Et la quatrième partie, c'est, on va dire, le dernier kilomètre, où là, on rentre à nouveau dans une barre rocheuse, et ensuite dans une crête rocheuse qui nous amène au sommet du Trello. Et là, à nouveau, il y a des pas où il faut mettre les mains.
Alors c'est pas insurmontable hein, bien sûr, mais si vous n'êtes pas forcément à l'aise ou si vous avez un peu le vertige, bon, je vous déconseillerais peut-être de monter par là. Et je vous conseillerais, si jamais vous le faites, de le faire par temps sec, parce qu'on rencontre le même problème ici qu'en Chartreuse ou que dans les Aravis ou les Bornes, et globalement dans les massifs calcaires, c'est que là où il y a des zones de passage, eh bien, il y a des rochers qui sont polis. Voilà. Ben, la suite va être beaucoup plus traditionnelle. On va redescendre par la voie classique. Eh ben, on sera pas loin des 40 km. Bon, et puis là, au niveau du D+, a priori, on a fini. Hein. Il n'y a plus que de la descente. Sinon, ben, j'ai conservé mes 45 minutes de retard. J'ai pas réussi à rattraper dans la montée. Et on est accompagné par les parapentistes. Nous voici rendus au parking des Cornes qui est à 1210 mètres d'altitude environ et qui est un parking classique sur lequel on vient quand on a envie justement de faire le trello ou alors un sommet qui est en face. Bilan de cette longue journée, une super balade, les Bauges c'est beau, c'est paisible. C'est diversifié, je trouve. Il y a des montagnes qui ont plein de formes différentes. Il y a plein de vaches. Et ça, quand on aime les vaches, c'est un régal tout au long de la journée. Cette randonnée-là est longue. Je mettrai comme d'habitude les données finales, mais je dirais qu'on est aux alentours des 40 km et 3200, 3300 mètres de D+. Et bonne nouvelle, cette randonnée-là, qui est en fait en 8, en forme de 8, se découpe équitablement entre une première partie qui concerne en fait le tour du Colombier et une seconde partie qui concerne le tour du Trello.
20 km pour l'un, 20 km pour l'autre, et environ 1500-1600 mètres de D+ pour chacune des deux balades. Notez qu'une partie du massif des Bauges est concernée par le parc naturel régional des Bauges, et que du coup, si vous venez dans le coin et que vous souhaitez faire du bivouac, renseignez-vous sur les conditions, sur les périodes dans lesquelles il y a une réglementation plus stricte. Je sais aussi qu'il y a certaines communes qui ont des réglementations en plus de celles du parc, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous mets, comme d'habitude, le lien vers le site internet du PNR des Bauges dans la description et puis à l'écran. La montée au Trello, il n'y a pas de souci pour voir le sentier et pour y rester. Après, il n'y a pas spécialement de balisage. À la descente, aucun problème puisque c'est le GR de pays. Donc voilà, globalement, le balisage est très bien là où il est. Et puis là où il n'y en a pas, on n'a pas véritablement le choix de la trajectoire. Donc on se laisse guider et puis c'est bon. Au niveau de l'eau, bon là on est vraiment dans un contexte particulièrement sec. J'ai pas eu de soucis d'eau, je suis parti avec une réserve d'un litre et demi. En sachant que du coup l'avantage c'est que je suis repassé à la compote et qu'à la compote il y a plein de fontaines. Donc sur la boucle du Colombier, il y a des points d'eau pour les vaches. Alors après à voir si vous avez de bons filtres. Sinon, il faut bien charger à la compote. Et puis sur une boucle de 20 km avec 2 litres ou 3 litres d'eau, à mon avis, ça passe. Sur la boucle du Trello, c'est plus facile de gérer l'eau puisqu'il y a ce fameux passage avec la cascade qui coule actuellement alors qu'on est vraiment en période très sèche. Dernière chose, vu que là il est tard, je vais rentrer par la route et non pas par le GRP. Je dis ça pour les personnes qui vont utiliser les trajets PX qui sont dans la description. Alors, il se trouve que le GRP suit à 100 mètres d'intervalle la route. Seulement moi je vais prendre la route parce que j'ai que mes lunettes de soleil et du coup comme il fait déjà sombre, je préfère être sur un petit peu de bitume pendant quelques kilomètres. Et puis ça va me permettre aussi de courir, de trottiner plus facilement que si j'étais sur le sentier qui est pas très très loin, voilà, oui, une centaine de mètres à vol d'oiseau. Donc bien sûr les deux se rejoignent à Doucy dessous et puis après tout le monde retourne à la compote. Voilà, donc vraiment une super journée, les mollets ont bien travaillé. La première descente du Colombier est assez raide par moment, et puis la montée au Trello, ça a fini les pattes. Et bien, du coup, moi, il me reste quelques kilomètres à faire, et vous, la question que vous avez à vous poser, c'est où est-ce que vous allez poursuivre votre jeu de piste? Vous avez 4 possibilités, et le choix vous revient. Et moi, je vous dis à bientôt sur les sentiers. Ciao !